A few moments later. C'est compliqué souvent de trouver du temps pour faire des DIY de Pâques et des décorations, et tout comme ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques DIY super simples de Pâques à faire. Donc tout d'abord, vous allez commencer par prendre des branches et les attacher entre elles. Ensuite, vous allez prendre des œufs. Franchement, tout ce que vous voulez, hein, ça peut être des petits œufs, des gros œufs, tout ça. Et puis vous allez simplement décorer votre mini-arbre à la façon dont vous voulez. Ensuite, je vais vous montrer deux façons de customiser des œufs. Tout d'abord, vous allez prendre votre colle, une colle blanche de préférence, et vous allez vous allez mélanger avec de la peinture, n'importe quelle couleur, hein. Franchement ce que vous voulez. Donc moi j'ai choisi du jaune pour Pâques. Et j'ai été prendre simplement des brillants. Voilà. Mais après vous pouvez ne pas en mettre. Hein. C'est comme vous voulez. Ensuite vous les mélangez bien. Cette étape là est très importante. Ensuite, vous allez prendre une seringue et vous allez tout simplement mettre votre mixture à l'intérieur de la seringue. Ensuite, vous allez prendre l'œuf que vous souhaitez customiser et vous allez simplement faire n'importe quel design dessus. Donc moi, en fait, j'ai tout simplement fait des tout petits points comme ça. Donc là, j'ai simplement été prendre du washi tape. L'œuf que je souhaitais customiser et des ciseaux. Ensuite, pour ce DIY là, vous allez avoir besoin de colle chaude. Ensuite, de décoration de votre choix. Donc moi, j'ai pris simplement des coques. Voilà. Ensuite, j'ai pris une boîte. Ensuite, moi, j'ai tout simplement décoré. Là, comme vous pouvez voir, j'ai simplement été prendre des bougies, plein de petites choses comme ça. Et le poussin que vous pouvez voir là, je l'ai fait en laine. Donc franchement, si vous voulez savoir comment on fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus.